Tania. Hey, Tania! On a vécu un grand moment de télévision cette semaine. Un très grand moment de télévision, Paul-André. On a vécu le 1000e épisode de La Poule aux œufs d'or. Wow! C'est quelque chose! Hey! 1000 épisodes! Écoute, 1000 épisodes, nous, 1000 épisodes, on serait rendu tout rier, tout rider, toute lettre, on ferait pas de bon sens. Bon, regarde, parle pour toi, Paul-André, là, mais... mais moi, qu'est-ce que je me suis dit? Hey, Guy Mongrain, hein, il a dû en rencontrer des poulettes, là, sur ce plateau-là. Hey, mais, hein, j'espère juste que pas pondu trop d'œufs. Je souhaite pas, parce que ça coûte cher, le passé alimentaire, à ce temps-là. Mais, en même temps, il est habitué à donner des enveloppes, ça fait qu'il y a peut-être de l'argent en masse. Ah ouais, c'est certain. Mais écoute, Paul-André, parlant de poulettes, là, moi, ça m'a inspiré pour notre sujet de la semaine. Poulette avec ou sans bénéfice? Mais moi, je veux juste avec bénéfice, parce que quand il n'y a pas de bénéfice, là, les amis, on ne veut rien savoir. Ouais, mais moi, en même temps, je me dis, là, j'en ai eu des relations comme ça, puis ça ne fonctionne jamais. Anyway, il y a tout le temps quelqu'un qui s'attache. Mais ça, c'est normal, c'est parce que tu n'avais pas mes conseils, Paul-André. Quand tu vas les essayer, voilà. Toi, ça va super bien aller. Puis, mon premier conseil, il est vraiment important. On n'offre pas de cadeaux. Très, très important, pas de cadeaux. Ça donne comme un côté attachant, puis c'est pas le fun, ça, là. Même pas des petites pensées comme ça, bien cute, là. Non. C'est sûr qu'on peut choisir un cadeau, mais faut faire attention. Moi, j'ai un bon exemple pour toi. J'ai un ami qui m'a donné quelque chose de bien le fun, puis je voulais vous le montrer parce que à la maison, là, c'est vraiment important de donner un cadeau le fun comme ça. Moi, j'ai reçu ça ici. Ça, c'est super pas attachant. C'est le fun, mais je ressens aucun amour quand je vois un objet comme celui-là. Ben oui, un petit cadeau, hein, c'est clair. Un petit cadeau, oui. Donc, non, c'est super le fun. Mais on va passer tout de suite à mon deuxième point qui est pas de petit déjeuner. Ah non, mais ça, c'est clair. Non, pas de petit déjeuner. Les œufs, c'est clair, ça amène directement au mariage. Non, c'est ça. Guy Mongrain, il les aimait bien, là, ces œufs, mais là, il a fallu qu'ils prennent le bord. Ouais. Fini. Les œufs bacon, non. Sinon, pas de jalousie. Écoute, un coq, là, il peut toujours laisser tomber sa poulette et s'en aller pour une plus belle. Exactement. N'oubliez pas ça. Puis, ça a été démontré justement que les relations « fuck friends », si on veut, durent un gros maximum 2 ans de toute façon. Ouais. Mais ce qui est certain, notre invité, lui, sa carrière va durer sûrement plus de 2 ans. Veuillez accueillir Jean-Carl Boucher! Ouais! Ouais! Jean-Carl, bonsoir, bienvenue à l'émission, merci beaucoup. Merci, plaisir. Écoute, Jean-Carl, on te connaît pour le film... C'est drôle, l'introduction, tu sais, fuck friend, les dildos, ouais, Jean-Carl, yes! Ouais, right. On voulait te mettre dans le sujet comme fond, on trouvait que c'était ton élément. Ouais, c'est parfait. C'est ça qu'on a mis assis à côté de toi. Ouais, c'est ça, hein? Ben, OK, bon, on en reparlera après. On te connaît pour 1981, qui t'a mérité un Jutra pour meilleur acteur en 2010. Ah mon Dieu, ça me donne des honneurs que j'ai pas, en fait. J'ai pas eu... cette année pour 1987. Oui, si c'est ça, exact, voilà. Mais avant... Nomination aussi. Ah, OK! Ben, tu sais, si tu veux que je gagne un Jutra, ben, moi, je trouvais que tu l'avais gagné, anyway. Ben, moi, je peux t'en donner un. Yes! C'est peut-être tout sous, mais c'est un peu weird de parler de Jutra, puis de... En tout cas... Puis plus récemment, History of Love, Le journal d'Amélie Laflamme, Les Intouchables au niveau du théâtre. Yes. T'as pas fait d'études en théâtre, t'as 22 ans. J'imagine que ta carrière commence assez bien. Ben ça va bien, je célèbre ma 10e année de carrière. Mm-hmm. C'est un drôle de mot, mais bon, mais c'est vrai, je suis content. Comme voilà. Puis là, avec toute cette expérience-là en théâtre, en télévision, en cinéma, je me mets nu aussi, puis je marche sur de la vitre des fois. Ah, pour de vrai? Ben justement, on a une vitre. Y en a-tu un dans la gang que tu préfères en particulier? Cinéma. Cinéma, c'est sûr et certain que c'est... c'est comme le bonbon, tu sais, c'est comme okay. Tu parles entre théâtre... Entre toutes ces heures-là, oui. Moi, je dirais que cinéma, c'est pas mal le top. Puis mettons, en termes de production, parce qu'on sait que tu produis aussi, est-ce que c'est le cinéma aussi? Oui, certainement. C'est... Pourquoi tu as décidé que tu voulais produire? Tu n'étais pas assez d'être acteur, j'imagine? Ben non, mais en fait, j'ai toujours voulu être réalisateur, en fait, avant d'être acteur. Donc, c'est un peu, c'est pas une erreur, là, mais c'est-à-dire, c'est un chemin que j'ai pris, mais que je ne m'attendais pas. Parcours différent. Oui, voilà. Puis là, on sait que tu travailles sur Kelly dans le noir en ce moment. Oui, un film très sombre, très triste. Oui. Bon, c'est fun, hein? Puis ta transition, si on veut, d'acteur à producteur, comment tu t'es préparé? Comment ça a fonctionné? Ben c'est ça, en fait. J'ai travaillé avec tellement des bons réalisateurs. Moi, je les trouve bons, là. Ricardo Trogi, que ce soit Francis Leclerc, qui m'ont tout appris, en fait, sur des plateaux. J'étais là en tant qu'acteur, puis
à chaque fois qu'il faisait un plan, il disait « OK, Jean-Carl, viens-t'en, ça, c'est la caméra, on la place comme ça, ta, ta, ta. » Fait que depuis que j'ai 12 ans, j'ai des beaux mentors. Fait que ça, c'est fait normal. Ça s'est fait naturellement. Puis on parle tantôt de le film qui est dark. Ton film, tu t'inspires, ça s'inspire de quoi, c'est si dark? Ben je sais pas si vous avez vu « La vie d'Adèle ». La vie de... En tout cas, ça ressemble un peu, je dirais que c'est un peu dans le style de... Une jeune fille de 20 ans qui se balade d'appart en appart, de chum en chum. Fait que ça parle d'amour. C'est ça parle d'amour, ça parle de break-up, ça parle de Est-ce que ça parle d'amis avec bénéfices? Ah oh, oui, il y en beaucoup. A, certes. T'en penses quoi, toi, des amis avec bénéfices, mettons? Bien, il y a deux films hein, qui ont été faits là-dessus, là, No Strings Attached, Ashton Kutcher, mm-hmm. puis Natalie Portman. Mais j'aime mieux l'autre. Ouais. Avec Justin Timberlake. Ben, tu pourrais peut-être en réaliser un. Ouais. Puis je pourrais jouer dedans. Ah, oui? Si jamais tu cherches. Je pourrais jouer dedans aussi. Oui, tu veux, veux-tu qu'on. Ah, ben regarde. OK, parfait. C'est bon. On va signer ça tantôt. Parfait. Tout ce par rapport à l'amour et les amis avec bénéfices, toi, en ce moment au Québec, tu trouves-tu que l'amour s'améliore ou se détériore? Je trouve que ça se détériore. À cause des amis avec bénéfices? Ben pas nécessairement des amis avec bénéfices. Ben tu sais, Tinder, tout ça, ces trucs-là, je trouve que... Ben j'en parlais avec du monde plus vieux, puis eux, ils reviennent pas, là, quand je dis comme tu peux swiper à gauche, tu sais, je leur donne ça, puis ils sont comme, man, c'est quoi cette affaire-là, tu sais, du monde de 50, ils sont comme, hey, man, je comprends pas, là, tu sais, puis... Je comprends un peu le feeling de faire arc, cette génération-là est un peu en train de... Ce serait quoi la solution pour toi? Pourquoi Tinder, selon toi, c'est parce que c'est du consumérisme, c'est pas bon? Qu'est-ce qui serait la clé pour avoir l'amour idéal? Ben, de pas avoir peur de se rencontrer pour vrai, puis de pas s'organiser des rencontres faites de façon froide comme ça, tu sais, d'arriver dans une place puis de faire comme « Hey, je peux-tu te parler? On peut-tu te parler sans que ça te soit vu comme un creepo, là? Tu sais, voyons, il m'a parlé, c'est épouvantable. » Finalement, c'est sortir dans les bars, là. C'est ben, ça que t'es en train de me dire. N'importe où, là. C'est-à-dire que ça soit pas vu comme creepy, tu sais, d'aborder quelqu'un en réalité. T'sais. Toute cette source-là d'amour, j'imagine, ça vient un peu de ta famille. J'imagine que tu viens d'une famille où il y avait beaucoup d'amour. Ben oui, oui, oui. On peut dire ça comme ça. Il y a pas de l'amour. Toujours des up and down, mais. On va. Ça, on laisse exclure pour la section qu'on parle de famille. Je pense qu'au niveau de ta carrière, est-ce que ça se peut que ton père joue un rôle important? Oui, oui, oui. Mon père, c'est un il travaille pas du tout en cinéma, rien, mais c'est un grand cinéphile. À 8 ans et demi, il attendait que ma mère se couche, il allait me voir, puis il faisait « on regarde Pulp Fiction ». Pulp Fiction? Oh, oui. OK. Ouais, puis Blair Witch Project, je sais pas, vous avez vu ça? Oh, t'as dû faire des beaux rêves, toi, ouais, quand t'étais ça. Jeune, ben, hein? Il m'a fait à croire que c'était vrai, tu sais. Ça m'a pris comme 4 ans avant de découvrir, j'ai fait comme « pas, c'était pas vrai », mais comme ça, non. J'avais 8 ans, ça ne dérangeait pas de penser que son enfant ait de grands traumatismes. C'est peut-être pour ça que maintenant, tu aimes les films un peu plus dark à cause de ses expériences un peu ben, traumatisantes. Plus dark, mais j'aime tous les styles de films. Puis ça, on parle de ta mère, puis ta mère, on a peut-être un petit vidéo à présenter. Ben voyons. Comment justement tu la traites. Ah non, c'est terrible. Écoute, qu'est-ce que tu veux, on a trouvé ça sur Internet comme ça. Je t'aime, France, hein. Ce qui arrive, c'est pas... Moi, malheureusement, je ne pourrais pas rester. Ah oui, c'est ça! Il semblerait avoir un problème vidéo. Tu es sauvé par le Wi-Fi qui n'existe plus. Sauvé par le Wi-Fi. Mais on va l'expliquer. Oui. Tu as clairement pris une bonbonne de crème fouettée. Oui. Tu as été attaqué ta mère sans aucun respect pour ta mère. Est-ce que tu t'es excusé? Mais je m'excuse tout le temps. Je paye bien des affaires. Tu sais. Je l'amène au resto une fois par semaine. Ben, je l'appelle aussi, tu sais. Ah, ce que les jeunes font plus. Écoute, moi, j'ai juste une chose à te dire. La prochaine fois que la vie va te prendre de couvrir une femme de crème fouettée, tu m'appelleras. OK. mon Dieu! T'es en feu. Non, c'est en feu. Tania, tu es une fille très affectueuse. T'as un prochain projet qui s'en vient en septembre 2016, La Clique. Oui, oui, c'est oui. C'est oui. La Clique? La Clique, c'est moi et Pierre-Luc Funk, mon ennemi de longue date. Oh. Au contraire. mon grand ami Pierre-Luc et moi allons affronter des zombies dans cette web-série. Des zombies? Oui, oui. Okay. Ouais. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le teaser, mais c'est Sarah-Jeanne Labrosse qui est le zombie dans ce teaser-là. Mais ça risque d'être assez drôle. Et, Bon, on a bien hâte de voir ça. Puis je suis certain qu'à la maison, ce que vous avez hâte de voir, c'est voir notre personnage justement qui va vous montrer peut-être quelque chose de différent qu'on n'aura jamais vu. Restez là!
Pour produire des émissions de qualité, ça prend des gens qui ont du charme. Merci beaucoup. De l'intelligence. Un génie. Mais surtout, ça prend des gens qui sont allés à l'école. Shit, dude. C'est pourquoi Télé-Québec est fier de s'associer au jeu de la com. T'sais, nous autres, on veut pas se ramasser à travailler avec n'importe qui. Avec notre invité, on vous avait promis un personnage secret et on joue justement au jeu au personnage. Notre invité, c'est très simple, aura à mimer une histoire qui sera narrée par nul autre que moi-même. Est-ce que tu es prêt? Ah, écoute, j'ai jamais été aussi prêt de toute ma vie à faire je sais pas quoi. Merveilleux, on part! Il était une fois, dans un univers magique où les nénuphars chantaient, les arbres dansaient et l'air sentait la vanille au chocolat. Le gros Marcel, un sympathique ogre poilu, marchait de façon un peu maladroite. Souriant, il disait toujours avec passion: veux-tu venir dans mon champ? J'ai des bonbons. Malheureusement, lors d'une péripétie où il eut un combat avec un dangereux lapin, il perdit l'usage de ses deux bras. OK. Là, j'ai plus mon gun. Malgré son handicap, il disait toujours: écoute, le bonheur, tu sais, c'est l'essentiel, hein, tu sais. C'est-à-dire quand t'as ça. Un jour, lors de sa promenade quotidienne, il vit au loin la plus belle des ogresses et il s'exprima en disant: tu sais, Friends with Benefits, là, avec Justin Timberlake puis Mila Kunis, ça te tente-tu d'être la Mila Kunis? Ah, OK. Eh oui, elle avait de belles verrues. C'est là que tout débuta. Étant donné que je suis une ogresse de grâce, les hommes font la ligne pour moi. Okay. Alors, j'ai des critères bien particuliers, tu te demanderas. Moi, j'ai besoin d'un homme qui sait danser. Oh non. Montre-moi donc ce que tu sais faire. Attends, je vais te faire un move de breakdance. Puis là, je peux-tu avoir... Le gros Marcel récupérera ses bras. Viens de décider ça, lui. Check ça. Du breakdance! Yeah! Quand même, quand même. Alors, l'ogre ayant retrouvé ses bras, justement, notre belle ogresse n'a eu le choix que de l'accepter avec beaucoup trop d'amour. C'est là que les choses devinrent bizarres. Ils sautèrent sur le tapis d'Aladin, partirent à la conquête du monde et revinrent heureux avec beaucoup d'ogres et de petites ogresses. Vous auriez aimé ça, hein? Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup de te donner à nos foleries. Un plaisir. J'aimerais aussi remercier beaucoup le band Pee-wee, puis à tout le monde, les gens, le public ici. Sans faute, revenez sans prochaine pour une autre émission la semaine prochaine. On vous aime tout le monde! Ciao, ciao!